Bonjour à tous, c'est Léonard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Deus Ex. Mais écoutez, on va aller voir, après avoir sauvé Allison, entre guillemets. On a vu que qu'en fait, elle s'était fait manipuler par Victor, machin, là. Celui qu'on avait vu à Golem City. Et donc, on va aller voir. Alors, attendez, j'ai M11... Il y a machin qui m'a contacté. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je vais aller voir Crawler. Il est où? Là-bas. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Bon, en fait, je prends pas les échelles. Non. C'est par là ou bien? Faut que j'utilise l'échelle? Non. Bon, je crois qu'il est par là de toute façon, il me semble. Oui. Voilà, nous y sommes. Chez Crawler. Ok, bon, on est là, hein. Allez, c'est parti. Merde. T'as entendu? Talos Rucker est mort. Ouais. C'est venu à mes oreilles, ouais. Ouais. J'étais là. C'est trop cool. Là. Assassiné. On va enfin pouvoir faire changer les choses. Il nous faisait passer pour des gros mous. Tu crois pas que tu vas un peu loin? Rucker méritait pas ce qui lui est arrivé. Ouais. Quelque chose me dit qu'on n'a pas la même vision des choses, Jensen. Moi, je crois que cette histoire de martyr, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais bon... On ferait peut-être mieux de se concentrer sur un sujet qui nous met d'accord, ok? Genre, l'optimisation de ton système de dingue. Ça serait bien, effectivement. Tu m'as apporté ce calibreur? Cette procédure. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise cette fois. La dernière fois, je me suis laissé surprendre par ton matos de dingue, c'est vrai. Mais là, ce sera pas pareil. Cette fois-ci, je sais ce que t'as sous le capot. Et tu m'as apporté l'outil qui me manquait. Ça change tout. Qu'est-ce que tu vas me faire exactement? Je vais optimiser ton système. Tu risqueras plus jamais de surchauffer. Et t'auras plus à te soucier des bugs. Jensen version 2.0. Plutôt cool, tu trouves pas? Ouais. Bon, je m'en fous un peu de son truc. Tu penses vraiment que le problème venait de Rucker? De quoi il en pense? Que sa mort va arranger les choses pour les augmenter? C'était pas lui la solution, en tout cas. On a besoin d'un nouveau leader. Quelqu'un qui ferait un peu moins un télo barbu, je sais tout. Quelqu'un qui serait prêt à se battre, tu vois le genre? Prêt à se dresser contre ses décrets à la con? T'as entendu parler de la loi pour le retour à l'humain? Ouais. Et si elle est adoptée, c'est pas un nouveau leader qui pourra y faire grand-chose. Crois-moi. Ça va être un vrai cauchemar ordonné par le gouvernement, putain. Je vois ça d'ici. Des types en blouse blanche qui arrachent les augmentations comme des dents. Enfin bref, en parlant d'horreur médicale. Alors, t'es prêt à te faire optimiser? Voilà, moi un truc comme ça, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes. Hein. Ok. Alors. Dis-moi que c'est à ça que ça ressemble, un calibreur de neuroplasticité. C'est bien ça. Ah, c'est bon, j'ai le montre. Ok. Ce sera pas long, promis. Et t'inquiète pas, Jensen. Je fais jamais deux fois la même connerie. Oui. Je me suis vachement préparé pour cette opération. Et c'est juste de rien m'enlever. Ouais. Il n'y a plus que la tête.
Ça y est, c'est fait? Déjà? Ça s'est bien passé, non? Comment tu te sens? Je me sens bien. Plus léger. T'es réparé! Tu peux dire adieu à toutes les limites! Si t'as envie d'activer un implant, tu peux l'activer tranquille, sans la moindre conséquence. Ça m'a l'air parfait. Merci, Coller, je te dois beaucoup. Ouais! Tu peux y aller. Fais-moi honneur. Vas-y, sers-toi de tous ces trucs de malade. Ok. Alors, ça c'est fait. Bah, du coup, on va aller faire ça maintenant. Alors, j'en suis où moi avec les trucs? C'est stable ou c'est pas stable? Bon, on s'en fout, de toute façon, il faut que je mette en place. C'est quoi ça? D'accord. Ouh. Ah ouais, carrément. Putain, mais ça coûte un bras tous ces machins. Ça, je l'avais déjà. Enfin, ça c'était déjà dans l'épisode précédent. Bon, allez. Du coup, on va aller voir un petit peu. Ok, c'est parti. Oui, toujours. Bon, je crois que j'ai récupéré un peu tout ce qu'il y avait à récupérer la dernière fois, il me semble. Ouais, allez, c'est parti. On va pas s'attarder plus longtemps ici. C'est pratique comme truc. Passage secret. C'était le passage secret. Allez. Ah oui, il faut que j'aille. Putain. On va retourner à la gare. C'est par là. On prend beaucoup Adam, le métro. C'est Aria. Hein. Ah. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Merde, juste devant chez toi. Il y a eu quoi devant mon appartement? Quelqu'un s'est fait arracher ses implants et ils l'ont laissé pour mort dans la ruelle. Quand j'ai appris où c'était, j'ai cru que... Je vais bien, Aria. C'était pas moi. Sois prudent, rentrant. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. On va aller voir ça d'abord. C'est dans le même coin avant que je prenne le métro. J'ai l'impression qu'il y a un problème. On ne peut pas le laisser sentir comme ça. C'est bon après. Excusez-moi. Bah c'est par là. Le laisser s'en tirer comme ça. Alors, c'est avec mission secondaire. On est voisins. Je vous ai vu dans le bâtiment. Vous ne passez pas inaperçu. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de venir enquêter? Non, personne ne m'a envoyé. Qu'est-il arrivé? C'est horrible. Une augmentée a été tuée. Juste à côté de chez nous. Ah, une augmentée, bien sûr. Elle avait mon âge, je pense. La vache. Est-ce que vous connaissiez cette femme? Non, je ne l'avais jamais vue. Je suis si triste qu'on ne puisse rien faire pour elle. Les victimes augmentées sont en bas de la liste des priorités. Pour eux, c'est comme un chien dans la rue. Vous n'êtes pas flic, au moins. J'étais flic avant.
Les vieilles manies ont la vie dure. Aux États-Unis ? Ouais, à Détroit. C'était il y a longtemps. Vous devez être expérimenté et habitué à ce genre de choses. Et vous alors ? Quel est votre intérêt dans tout ça ? Curiosité morbide ? Bon sang, non. Je veux juste rentrer chez moi. L'inspecteur Montag, il me force à rester. Il croit que j'ai vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose ? Peut-être. Je préférerais ne rien dire, pour être honnête. Si j'avais vu quelque chose et que je commençais à parler, est-ce que ça ne me mettrait pas en danger ? Alors... Alors on va C'est normal d'avoir peur. Alors vous comprenez. Je ne veux pas être impliquée si j'ai le choix. Mais bien sûr, je comprends. Vous devez rien à personne. Mais ça pourrait très bien se reproduire. Oui. Plus vous coopérez avec la police, plus on a de chances de capturer le responsable. Je sais. C'est juste que je ne fais pas confiance à la police. Je me sentirais plus en sécurité avec quelqu'un comme vous. Vous avez plus de raisons de vous investir. Vous êtes augmenté comme la victime et vous semblez capable de me protéger. C'est pas mon affaire. Mais vous pouvez peut-être aider. Je vous en prie, on est voisins. Parlez à Montag, voyez au moins où ça en est. J'ai peur qu'il ne fasse rien parce que la victime était augmentée. Je vais parler à l'officier en charge de l'enquête pour voir où il en est. Si je peux l'aider, je le ferai. Merci. Et si jamais quelque chose me revient plus tard, je peux vous contacter ? Vous avez déjà l'intention de me quitter ? Dès que je peux. Il y a des moments où je veux bien attendre dans le froid, mais là, je suis à bout. Je veux seulement rentrer chez moi, m'enfermer à double tour et ne jamais ressortir. Enfin, je vais bien sûr attendre l'aval de l'inspecteur Montag. Et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Oui. Je peux vous donner accès à mon infolink. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Merci, voisin. Faut que je vous parle de ce qui est arrivé. Pourquoi lui parle à lui, mais pas à moi ? Alors, allez voir Montag. Il est où ce Montag ? Il est là. Alors, comme ça, Daria vous a parlé, hein ? Elle m'a à peine dit deux mots à moi. Elle a dit quoi ? Elle a vu quelque chose ? Votre témoin là-bas ? Elle est pas très sûre. Pourquoi elle est pas sûre ? Soit elle a vu quelque chose, soit elle a rien vu. Elle a peur. Elle pense qu'elle est en danger. Je lui ai dit qu'elle était en sécurité et qu'on allait mettre la main sur le coupable. J'aimerais que ce soit vrai. Bien sûr, moi aussi. Mais vous voyez, la victime était comme vous, augmentée. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que, voyez-vous, être flic dans cette ville, c'est pas toujours faire les choses justes ou faire les choses de la bonne manière. Tiens donc. Allez. J'ai été flic pendant 2 ans. On va les ordres de ville, je connais bien. Ce que ça donne. Faut savoir faire la différence entre ce qu'on vous demande et ce qui est juste. M'en parlez pas. Et donc, comment vous vous êtes réconcilié avec ce genre d'ordre ? J'ai démissionné. Dans voilà. 2 mois, je serai sur la plage. Ah non, je démissionnerai pas. Mais je respecte votre idéalisme. C'était il y a longtemps. Je travaille pour Interpol maintenant. Interpol, hein ? Écoutez, juste entre nous, on m'a demandé de renoncer à toute enquête inutile. Mais comprenez bien que c'est pas du tout ma conception du travail bien fait. Qui vous a dit de renoncer à cette enquête ? Les types qui passent plus de temps à faire des lois que des arrestations. Ils veulent le mari de la victime, Johnny Gunn, ex-agent d'une SMP, et lourdement augmenté. D'accord. Et si les choses ne vous conviennent pas, si vous pensez que l'enquête devrait se dérouler différemment, pourquoi vous faites rien pour changer ça ? Je viens de le faire. C'est pas parce que mes mains sont liées qu'Interpol peut pas mener une petite enquête parallèle, en y réfléchissant bien.
La scène de crime est juste là, et Johnny vit à quelques rues d'ici. J'ai jamais dit que j'allais enquêter à votre place. J'en doute pas. C'est pas la promesse que vous avez faite à notre amie, d'ailleurs. Hein ? Elle parle pas aux flics, car elle nous fait pas confiance. Maline. Bon, j'ai donné l'ordre d'arrêter le mari. Jetez un œil dans le coin, si vous tombez sur Johnny avant mes hommes. On apprendra peut-être quelque chose. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. Oh, oh. Faites attention aux preuves. Interpol. Non mais ils se prennent pour qui ? C'est une scène de crime. Entre toutes les preuves, il y en a 7. Ah ah. D'accord. Ah, je crois qu'il a quelque chose. 4 sur 7. Mais ils ont pas beaucoup fouillé la place, hein. C'est une scène de crime, monsieur. D'accord, elle a été neutralisée. Enfin, ses augmentations ont été neutralisées. J'en ai combien? 6 sur 7 plus qu'une. C'est horrible, hein? Difficile de pas regarder. Vous croyez que je sais pas ce qui se passe ici? Ah. C'était qu'une question de temps avant qu'il la tue. Avant que qui ne la tue? C'est cette journaliste. Elle écrit toutes ces choses sur... Vous savez qui? Va falloir m'éclairer un peu. C'est qui Ratko, ça, vous savez Maximilian qui Perry? Le politicien anti-augmenté du coin? Mm-hmm. C'est Angela Gunn étendue là. Elle écrivait plein de trucs sur lui. Elle a menacé de faire un scandale et tout. Coïncidence ? Mmh. On dirait que quelqu'un va devoir trouver ce type. Lui poser quelques questions. C'est exactement ce que je dis. On va aller dans son sens pour voir. Si vous faites ça, évitez de citer mon nom. Je veux pas finir comme elle. Que savez-vous d'autre sur Ratko? Steve est le pire des connards. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et vous le pensez capable de tuer? Ouais, carrément. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je viens d'arriver. Je vois la même chose que vous. Une d'accord. journaliste augmentée morte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que je trouve encore le dernier truc dans ce sac là.
reste froid. Alors, il reste une preuve. On a déjà 2 ans de retard, en fait. C'est ton tour de payer le café. Il me reste une preuve à trouver. Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe ici ? Il m'en reste une à trouver. C'est ton tour de payer le café. Je pense que c'est toujours dans la zone qu'il y a quelque chose. Mais où ? Vous croyez que je ne sais pas ce qui se passe ici ? On peut faire confiance à personne. Non, je vois pas trop s'il y a autre chose. Claque de marché. Pas une autorisation pour ça. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais coopérer. Vous avez promis de m'aider, alors je vais essayer de vous aider aussi. Allez. Comment s'est passée l'attaque ? Comment s'y est pris ? Il était au-dessus d'elle. Il retirait le mal. Enfin, je veux dire, je crois que c'est ce qu'il disait. Vous avez entendu sa voix ? Très clairement, oui. Il avait l'air sûr de lui, très autoritaire, comme un général qui donne des ordres. Il a dit quoi exactement ? Il a dit, il est temps de t'unifier maintenant. Unifier ? Wow. Vous vous souvenez de quelque chose sur l'apparence du tueur ? Pour être franche, c'était plus une ombre qu'une personne. Je me souviens seulement qu'il était très grand. Son ombre recouvrait tout. Donc vous pouvez pas le décrire ? Pas son visage, non. Ses habits. Ils étaient particulièrement sombres, noirs, peut-être bleus. Et lui, il était augmenté ? Il marchait comme un augmenté. Mais je ne suis pas sûre. Que faisiez-vous là-bas ? Je cherchais mon petit chat. Starlight. Il y a eu un éclair, puis... J'ai eu comme une révélation. J'ai senti que quelque chose d'horrible se passait. Où étiez-vous précisément ? Dans l'ombre. Je baissais la tête. Je ne pouvais pas bouger. Stupide Doria. J'aurais dû rester chez moi. Mauvais karma. Vous avez autre chose à dire sur vous ? Vous voulez en savoir plus sur Daria ? Pas grand-chose à dire. Une fille de la campagne venue en ville pour fuir ses problèmes, pour essayer de changer de vie. Ça a marché ? Pas vraiment. On ne peut pas se refaire. Classique. Venir dans une grande ville, ça ne règle pas tous les problèmes par magie. Eh oui. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi vous faites pas confiance à la police sur cette enquête ? J'ai de mauvais souvenirs de la police. Quel genre de souvenirs ? Des sifflets dans la rue. Des amendes non méritées. La police par ici, c'est pire que des enfants. D'anciens capitaines d'équipe du lycée qui tentent de recouvrer leur gloire d'antan. J'étais capitaine du club de débat au lycée. Oui, enfin, débattre c'est différent. Oui. Que pensez-vous de Montag ? Vous le connaissiez déjà ? Je l'ai rencontré au commissariat. C'était il y a longtemps, pour contester une amende. C'est l'inspecteur Montag qu'on vous envoie pour s'occuper de toute la paperasserie. Ça a été ? Plutôt bien. Mais en fait, c'est un bureaucrate.
Sur le terrain, il est perdu. Les flics capables d'attraper des tueurs, ce n'est pas ceux-là qui enquêtent sur les meurtres d'augmenter. Mmh. Je vais voir si je peux faire progresser l'enquête. Bonne chance. Bon, s'il y a un autre indice quelque part, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais regarder si je peux... Non, je ne peux pas trop l'examiner. Si on tenait pas déjà Johnny, j'aurais misé sur vous. J'ai ici un cas avéré de 5-12. Bon, je vais aller voir si je peux faire autre chose. Alors, on en est où, là? Que j'en suis. Plus rien à dire. Ouais, c'est dans cette zone, d'accord. On verra bien demain. J'ai l'impression de me transformer en stalactite. Si seulement on pouvait descendre tous ces câblés. Moi, je prends encore une dernière petite passe là dans le coin pour voir. Si on tenait pas déjà Johnny, j'aurais misé sur vous. Ben, je peux plus rien faire. J'ai déjà tout fouillé. Elle, je lui ai parlé. Vous croyez que je sais pas ce qui se passe ici? Et puis là, je sors de la zone. Hein. J'ai plus envie de parler. Ça serait... Ça ne m'amène pas grand chose. Là, il n'y a rien. Dessous non plus. Ouais, bon, on va aller faire la suite, hein, parce que là, je vois pas trop... en fait... Je sais pas où est la septième preuve. Hein. Je ne sais pas du tout. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il vous a envoyé pour me protéger. On a déjà 2 ans de retard. On va leur parler encore. Excusez-moi. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais coopérer. Vous Mais j'ai déjà posé ces questions-là. Alors je vais essayer de vous aider aussi. Ouais. Je vais voir si je peux faire progresser l'enquête. Bonne chance. Là, je suis un petit peu... Bon, on va passer à la suite, on va pas rester que pendant 107 ans ici.
Alors. Ah, ok. Ok. Bon, on va prendre le métro. Allez voir Johnny Gunn. C'est là. Et ben, pendant qu'on voyage, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.